Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui? Mia sou. C'est bon, bien, passé avec vous. Et à toutes les frères et sœurs et amis de partout qui sont bien là, capteurs de nous, Abdou, lumière et paix à chacun de vous. Amen. Nous espérons que vous avez vécu un bon mois de mai et rendez gloire à Dieu, à Jésus-Christ pour ses offres, pour sa compassion, pour sa fidélité, pour sa grâce infinie qui se thème n'a débat dans moi ça. Et nous bénissons le Seigneur pour le sacré privilège qu'il nous accorde pour nous partager une portion des Saintes Écritures avec vous, que nous joignons sous plume l'apôtre Paul dans sa 10e correspondance aux Corinthiens, dans chapitre 12, verset 9, qui dit: il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est là nous t'es à méditer depuis pendant un mois. Et je dis à ce dernier dimanche dans moi. Et bon Dieu, permettez-nous encore là avec vous matin pour nous partager ensemble, j'aime te dire nous, quelques réflexions. Mais si c'est moi, je vous l'ai dit au matin, mes bien-aimés, quel que soit le niveau ou atteindre, ou ta voix bien en grâce là, ou à vivre, c'est pas fort, fort. Mais c'est grâce là que fait ça. Amen. Et même là, ou ta voix a fait ou à marcher, famille ou à bien passer, pas pour ses corps. C'est toute une question de grâce. Ou ka wè ou non, ti job, ti krasé ou ba ou a pas même signifie anyen nan men. Mais lò gade, li pa gen prescription la dan, li konseri de det li pa gen la dan, ti moun ya l'école, ya biye, ou manje, ti moun yo, ou gen doa wè, comparativement à l'autre, il y a joué dans peut-être insalubrité, excusez-moi, non pas dit ou dans insalubrité. Parfois ouais, ou boit n'importe de l'eau. Des parents qui pas gain moyen pour l'acheter de l'eau traitée. Comprendre, leur regarder timon yo, yo pas gain allergie sou yo, yo pas sinus yo pas enflé. Et toutes ces grâces là qui fait ça. Mais faut me autour, mes bien-aimés, à ou même qui t'a savouré maintenant depuis l'elle commencé à date, la grâce pas toujours linéaire. La grâce pas toujours en ligne droite. En face ou toujours un groupe qui a jalousé contre grâce, ça ouais que bon Dieu fort là. Et ceci, nous allons prendre un petit exemple. Un serviteur dans la Bible. La Bible relève un serviteur qui était intègre et droit. Un personnage central du nom de Job. La Bible relate Job craignait Dieu. Le Nabgadé, Job, dans l'adversité qui l'était, la Bible dit, Job ne se détournait du mal, il lui naquit 7 fils et 3 filles. La Bible dit, Job son nèg qui était riche, qui était gain la grâce presque surabondante. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs.
500 ânes et un très grand nombre de serviteurs, monde qui travaille avec lui. Et cet homme était le plus considérable de tous ses fils de l'Orient. Par contre, soit prendre qui dimension là que ça est arrivé. Job tellement son nègre qui vraiment a marché ou façon pour faire bon Dieu plaisir en dépit de toute saleté gagnée. Pendant Job a bien en grâce li, la Bible dit Job prenait le temps de même purifier ses enfants à chaque fois qu'ils se participaient non festin. La Bible dit dans Job 1er verset 4 à continuer, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il levait bon matin, offrait pour chacun de un holocauste. Il tuait toutrelle, pigeon, il tuait mouton, il fait des holocaustes pour les purifier Timonio de peur que si pendant un festin, il a bu du vin, il a fait n'importe geste, il a n'importe vieux propos, il a sorti dans la bouche, eh bien, pour il a offensé bon Dieu dans le cœur. Eh bien, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà un exemple. Job s'est campé pour le faire Jean de Baïsaïo. Contrairement avec un gros prophète, c'est deux personnalités différentes comme Élie, qui c'était une grosse personnalité dans tout Israël, qui était respectable et respecté. Mais petit Élie, c'est qu'on a fait dérive. Mais contrairement à Élie, Job prend soin pour l'offrir au locos, pour le purifier petit Élie. Et on est bon Dieu béni. Mais maintenant, nous allons considérer trois chapitres dans le Job là. C'est ce chapitre premier à nous commencer avec vous. Nous prenons chapitre 2 et 3 et 42. Nous allons prendre quelques versets pour nous montrer comment que grâce là n'est pas toujours linéaire. Bien aimé, histoire racontée dans chapitre 2, les versets 1 à 7. Je dis, oh, les fils de Dieu vint un jour et se présentaient devant l'Éternel, c'est un grand rassemblement. Et puis pendant mon yoshita, il a parlé des causes de Dieu, les causes de l'évangile, en grande réunion. Mon cap jalousé contre nous-mêmes là dans grâce, ou même cap bien dans grâce, cap vivre dans grâce, bon Dieu. Eh bien, ennemi a été venu tout, ennemi a là tout. Pas oublier matin, la grâce n'a pas toujours linéaire. Eh bien, pendant mon yon dans grande réunion, ennemi a Satan venu tout. Et présenté devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et doit craindre Dieu. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. L'Éternel va le faire un pariage sous deux Job. On est qui gagne grâce, mon Dieu, sous lui. Et puis, Satan va le répondre l'Éternel. Il va le dire pour tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, et sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est là, pariage, il a commencé. Des mondes, face avec et intervention Satan devant l'Éternel, quand l'Éternel va dire à Satan, voici, je te livre
non seulement épaille sa vie, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il y a des théologiens, il y a des monde qui a commenté, qui dit, pour qui ça? Bon Dieu, pas. Et il y a même position hein, pour Job, même Jean, il te gagne en face. Jésus, le Satan te vient tenter après les jeûnes. Mais, pas oublier, bon Dieu, grand monde, il fait ça, l'élevé pour mon livre, côté levé. Eh bien, mes bien-aimés, c'est ainsi, ennemi en rentrée, la fait des gars. Mais l'Éternel te baille Satan, yon pinga. Et c'est ainsi, dans le deuxième chapitre, nous voyons l'histoire continuer. Et dans tout ça, mes bien-aimés, la Bible dit, Job, un jour, Job était pendant que Chita. Nous retournons dans le chapitre 1er, le verset 13 à 22. La Bible dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager. Il dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont élevés et passés serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant qu'il a parlé, il vient encore. Il dit, Job, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant il a parlé encore, il y a l'autre paraît, il dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont élevés et ont passé serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, ainsi de suite. C'est des mondes qui ont venu en filigrane. Voici un grand venu de l'autre côté du désert et a échappé contre les quatre coins de la maison et coulé et les jeunes gens, tout petit Jobio, ils ont pas mourir. Et c'est vite qu'il a dit, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Papi dit, c'est ainsi que l'homme de Dieu, l'homme qui te gagne toute grâce à eux, en verset 20, pour lever, déchira son manteau, il rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Il dit, mais c'est ça que nous souvent citons, les noms dans l'adversité, les noms dans. Non, peut-être des cérémonies funèbres. Job a dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, mes bien-aimés, dans moins de 24 heures, Job perdit toute saleté, gagné toute grâce, toute. Mais dans toute adversité Job, dans toute calamité Job, verset 22 a dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. Bien-aimés, nous parlons dans toute sa calamité Job a passé, monde qui jalousait contre Job, les jaloux, les hypocrites, monde peut-être qui vini pour poser prière avec vous, qui vient et sympathiser avec vous, qui a aidé Job prier, et peut-être qui a aidé Job, qui a consolé Job, qui a dormi à Job, qui a parlé à Job. Là, nous voulons faire référence à trois messieurs Sayo, qui c'est Bildad,
Monsieur Eliphaz, Bildad, Sofa, toi, monsieur Sayo, fait soit regarder dans tous les jobs là. Monsieur Sayo fait 29 chapitres. Ça passe les jobs en prison. De 4e à 29e chapitre, mais il y a fait hypocrisie avec ses vitaires, dans la souffrance l'idée. Et c'est ça que fait, ou même, qu'a bail qui tout ou non, ou même, qu'a choisi non, pour bail qui mon nom, éviter toi, non, soyez. Faites attention à mon l'on en difficulté, qu'a bien les doses, prier, qu'a bien prendre pause. Et puis, c'est pas vrai. C'était hypocrite, c'est marocain, c'est des ratements de souffler. Alors, d'accord, Fonti et considération, on a gagné 11 amis, les petits frères, V. de Bolos, c'était Pasteur Bildad, peut-être qu'il y a un monde qui connaît Pasteur Bildad, mais c'est lui qui fait toute la théologie de Bolos, fait étude du Canada haïtien. Actuellement, la table dirigée grâce à l'Assemblée de l'Église Baptiste d'Akaye, parce qu'on a un grand travail dans la communauté, il y a des choses différentes. Mais, comme d'abord, l'or a choisi, non, mais trois messieurs, ça y est, c'était rapidement dessoufflé. Il y a le propose des jobs, il y a le pédé, il y a le consolé, il y a parlé des jobs mal. C'est des nègres, les jobs qui sont sous des pieds lits, les jobs. Vivre la grâce pour Dieu, qui était jaloux de grâce là. Et puisque grâce là, pas toujours linéaire, Job vient vivre côté grâce là, en dedans ici, dans la vie Job. Et Satan, de l'autre côté, a prisonné Job, parce que lui recevoir, mon pariaï sur tête serviteur. Eh bien, il y a des comportements. Job gagne, mais malgré tout, il n'est pas jamais maudit dans mon Dieu là. Mais bien aimé. Sauf que maintenant, nous parlons d'interroger le monde qui a dit et bon Dieu quitter. Mais te bail Satan yon pinga. Pour ravager tout ça, je me possède. Mais pas toucher qu'un serviteur. Mais en dépit de tout, je n'ai pas perdu bien matériel. Petit. Je mourir dans l'événement. Et ça que matin, je me suis interrogé tout. Je ne sais pas pour qui ça. Le monde. Qui obligé la cache-cache libère, serré libère avec un vagabond qui est le Satan. Pour que ça, on a joué boule, nèg ça, pour que ça, on a dansé collé. J'ai opté qu'à râler, on deux, trois moutons, deux, trois douzaines bêtes, les vannes. Malgré un détruit. Job te karele de toi serviteur. Mon cher, al prantel de toi régime banane pour te on a marché pour moi. Tout passé en blafond du fait. Job te karele yon nan de messieurs yo. Mon cher, moi en difficulté. Vin menem l'hôpital. Yo mouri. Hélène a regardé. Dans le chapitre 2, verset 8 à 10, mais Madame Job, Job prit un tesson, Job prend, soit peut-être, bah, qui était éclaté, vieux morceau vaisselle, qui était vieux bouteille, qui crasé dans son, peut-être en bas du feu, Job prit un tesson pour se gratter et saisit de la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. Dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, comme une monde qui folle. Ouah!
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point contre ses lèvres. Job pas quitté n'importe parole. Sorti, tombé en ma bouche. Mais bien aimé, Job passé calamité, il perdit toute sa vie gagnée. Job en disgrâce. Madame Job a fait cas de lui. Il dit retirez corps dans soyez là pour échapper corps. Ça arrivait dans la vie courante, dans la famille, dans la société. Il y a des couteaux arrivés ou à des gangolés. Moun pral dou, c'est pas possible. Ou pas katégué tout grâce à ou à pédio. Ou pas gagner des vagabonds, ou pas le mettre dans tête ou font voyage, font coup de 4 en Haïti, font voyage garder une habitation. Faut gagner le courage pour camper, pour résister. Parce que gagner des bagages, c'est des bagages poussiéreuses, des choses poussiéreuses, il y a passé. Job a su reconnaître que bah ça yo était venu sans yo. C'est peut-être pour la société, c'est peut-être pour des sens qui nous habillent. Nous mettons nos sous-vêtements sous nous, mais c'est nu, nous t'es venu tout nu. Nous gagnons pour nous retourner nu, même les ouais habillés, nous mettons, nous n'en séquons en or, mettons tout gouré d'un gout sous nous, pour le fourrer le son de la terre, c'est les vers de terre qui pour le bambiler, et puis ça finit. Job te connaît. Bah yo, attaque toujours comme ça. Et c'est ainsi, la Bible dit dans le chapitre 42, Job pral dit un bagay qui fort. Dans grâce que bon Dieu te bali, dans grâce suffisante là, Job pral dit poser question ça, li pral Job pral dit parole ça à toutes vos questions. Job pral dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ablié matin, Palo. Non seulement dans quel que soit degré ou arrivé dans la vie ou quel que soit Jean a bien passé, c'est une question de grâce, c'est grâce là qui fait ça. Mais pas oublier, la grâce n'est pas toujours linéaire, n'est pas toujours en ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Job connaît tous les deux moments ça. Job, c'est qu'un bien intégrité, laisse ça t'es bon, laisse ça pas bon, je ne pas jamais maudit le Seigneur. Et la Bible dit, je ne prends pas conscience, je ne prends pas reconnaître toutes les culpabilités, je ne prends pas humilier, je ne prends pas repentir devant. Pas oublier, Job te rivon côté, les bayou te trop pour lui dans la dimension de l'homme. Job blague quoi la tête te déchire manteau, li rase cheveux. Job va reconnaître ça. Y a moun qui te ka fol fou pour la rire dans son psychiatrique. Y a moun qui te ka suicide tête yo. En pile bagay te ka rive dans le moment. Disgrâce là. Mais Job pral kembe position ça. En depuis de toute interrogation ou te ka parlé, Job pral retourner à la prospérité et grâce à pral retourner. Et nous pral wè, kote moun ki tap chamare Job yo, côté l'Éternel pral punir trois messieurs
Éternel pral bayo soyo hypocrite rapidement dessoufflé dans calamité Job qu'al propose de le prier bon paquet mon dans l'église cap edo prier coup délivrance là vini expression visage changé témoignage là pas gagne même goût avec demande de prière. Donc ou même le bon Dieu béni serviteur cap dit c'est pas simple en fait il n'est pas pitié. C'est haïtien nouye, nous compte toute expression ça yo. Ou même qui pas qu'attendre. Mais nous pas qu'à nier. Grâce bon Dieu tout. Et dans le chapitre 42, la Bible dit après que l'Éternel a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, Théma, ma colère est enflammée contre toi. Étaient deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux, sept béliers. Bénédiction en grâce après le tourner. Allez auprès de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, payera pour vous. Et c'est à égard pour lui que je vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé avec de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et Eliphaz demande, monsieur, tu fais ça. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Qu'il posséda. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire bon, si mon job de gagné yo, c'est pas même yo maintenant qui retourne à la vie. Ils ont perdu, mais pas oublier bon Dieu, pas oublier bon Dieu, grand monde lui fait saler. Et serviteur au frais, tout ancien, ils ont venu visiter Job. Ils ont mangé avec lui. Yo plaignent, yo consoler serviteur de tout malheur qui t'est tombé sous lui et chacun lui donna un anneau d'or pendant que ces dernières années Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions et qu'il en avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânes, 17 fils et 3 filles. Bon Dieu, rebal petit encore, Job vient reprendre grâce-lui. Et il bat au nom. Et la Bible dit, il n'y avait pas dans tout le pays aussi de belles femmes et de belles filles de Job. Le père le accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils, les fils de ses filles jusqu'à la quatrième génération et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà mes bien-aimés, c'est comme ça grâce là li bon, bon Dieu accordo li baoul, mais en pile fois, grâce la pas toujours linéaire. Il y a des fois, bon Dieu qu'on éprouve nan grâce là. Li châtie ou, pour le son parrain, mais sans posséder nan grâce là qui lui-même. Donc, ou même qu'à vivre dans grâce, bon Dieu, qu'à vivre à grâce, bon Dieu, mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Grâce là, pas toujours linéaire. Il y a des hauts et des bas. Il y a ça qui vaut dans grâce là. Il y a ça qui vaut dans grâce là. Malgré tout, pas maudit, non, bon Dieu. C'est après, on va pour qui. Grâce bon Dieu toujours suffit, quel que soit Jean Saïe. Shalom, shalom, que bon Dieu bénisse.
dimanche. Bon.